Et salut tout le monde, c'est Silver, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre aventure sur Bayonetta 3. On s'était quitté dans l'épisode précédent après avoir... voilà, on était à Paris tout simplement, on avait rencontré Rosa de cet univers-là, la petite mamounette de Cereza, qui malheureusement, elle était infectée par les trucs verts dégueux. On a dû lui mettre une petite bastos dans le Kokoro, voilà, ça a fait du mal à Cereza de tirer, mais il n'y avait pas le choix. Elle était en train de péter un plomb, hein, clairement, à cause de Singularity encore, encore et toujours le même. Et voilà, du coup, on arrive sur le troisième et très certainement d'ailleurs dernier chapitre de cet univers alternatif dans Paris. Du coup, on va pas bavarder plus longtemps, on va se lancer ça. Ça nous réserve forcément un boss à la fin, on a hâte. Du coup, on avait débloqué, j'en profite, hein, une nouvelle arme et un nouveau démon. On va les tester vite fait là au début. Si on a 2-3 secondes de répit, on va voir ça. C'était les portes de la chapelle, hein, tout simplement. Portes de la chapelle et le démon, c'était la tour de l'horloge. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable. Alors. Voyons ça très vite fait. Du coup, ouais, on voit ici la tour de l'horloge. Hein. Temps suspendu. Les aiguilles de l'horloge se sont arrêtées à l'heure de sa destruction. C'est quelqu'un qui était présent qui me l'a dit. Quand ces murs s'ouvrent, il y a plein d'armes qui en sortent. Elle est peut-être bien vivante après tout. Ah, c'est les commentaires de Viola. Ouais, je me disais aussi. Ces murs sont super solides, peut-être qu'elle est protégée par les esprits des anciens membres de l'Umbra, ok, blablabla. Environ 44 mètres, environ 196 tonnes, waouh! Origine enfer, talent spécial, planification instantanée, et âge environ 500 ans. Ok, donc voilà, donc la tour de l'horloge hein, pour le démon. Et comme arme, Tartarus, on va tester ça vite fait. Donc Tartarus, hein, port de la chapelle, hein, comme je disais. Boum! Voilà! Donc, c'est les mains qu'il y avait hein, pendant le combat du boss qui sortent là. Hop! Boum! Ok. La forme de course. Ah oui, c'est la marionnette! Oh, ça c'est stylé par contre. Ah, on vole! D'accord, juste on vole en fait. Ok, c'est pas infini, mais quand même, c'est ultra long. Ah ouais, juste on vole. Par contre, la forme est beaucoup trop stylée. De la marionnette. Ok. Ah ouais, l'arme. L'arme à feu, par contre, là. Grosse Gatling, là. Ça, c'est abusé. Ça, c'est abusé. Bon ok, bon ça a l'air stylé cette arme, on va pas la prendre tout de suite, on l'essaiera peut-être plus tard, mais je vais remettre mes pistolets. Et on va continuer de jouer avec le micro, c'est trop trop bien. Ce bâton micro là, c'est vraiment trop stylé. Alors, on va continuer comme ça pour l'instant, et puis on verra plus tard si on change peut-être. Pour essayer un peu. Voilà. En français. Ah on n'a pas vu derrière nous, il y avait un défi. Quoi du coup? Avec en démon la tour de l'horloge, remporte le combat tout simplement. Temps limité, santé et magie actuelle. Bon, on va le faire vite fait, non? Comment on pense? Remporte le combat, ça va être. On va tester. Hein. Avec le bâton magique. Le micro de la destinée là. Ah! Démon illimité, c'est peut-être juste pour le tester, je pense, du coup. Ah, merde, faut qu'on fasse gaffe. Qu'on fasse gaffe à ça.
parce que là on a des ennemis invisibles. Pardon, je vais faire un peu concentré. Mais voilà, on avait un peu les ennemis invisibles, là, c'était un peu relou. On va repasser sur la tour maintenant. Allez hop, on va larguer les petites bombes un peu partout. Oh voilà, allez, on va lui tirer dessus. Bon, on va s'occuper de lui comme ça. Ça devrait le faire. Voilà, allez, on va faire ça. Maintenant qu'on a cassé la tour, on peut se permettre. Donc on va simplement se débarrasser de lui. Voilà. Bon, ça c'est fait. Ok, on a appris à utiliser la tour. C'est un peu lent, je trouve, ces attaques. Et le fait qu'elles soient fixes aussi, c'est un peu... un peu compliqué, mais... Mais bon, ça va. En contrôle, ça veut dire que le train, je pense. Le train à contrôler, les attaques sont très fortes, mais à contrôler. C'est quand même assez tordu. Trop fort, ça. Trois fois point, une fois pied, là. C'est trop fort comme attaque. Faut qu'on retienne ça, là. C'est trop, trop bien. Ok, bon. On a eu un... une demi-perle, du coup, en faisant ça. C'est très bien. On a des cœurs de sorcière et des perles de côté, encore, je crois. On n'avait pas tout utilisé. Deuxième verset. Oh, pour là, là, elle. Mais alors là, on se régale, hein, c'est incroyable. Cet ennemi, mais enfin, on l'aimait pas avec Viola en tout cas. Ça va peut-être aller un peu mieux avec Davinita. Oh non, la main, on n'aime pas la main. Ça, on n'aime pas par contre. Avec n'importe qui, on n'aime pas la main. Voilà, il est mort. Ah, je peux pas risquer. Voilà. On va repasser sur le bâton. Double coup, j'avais pas prévu ça. Oh, j'ai esquivé là, attends, abusé. Voilà. Ah, j'ai pas eu le temps. Dommage. Ah, dommage. Allez, voilà. Ah non! Je suis en plein dans mon combo, je voulais pas l'arrêter. Voilà. Détruire 5 bus. Voilà. Ouh. Ça swing! Ça swing, ça swing. On a pris quelques dégâts, mais c'était raisonnable, je pense. Ah non, pas du tout. On a pris tant de dégâts que ça? J'ai pas l'impression. C'est fou. C'est fou, j'ai vraiment pas eu l'impression qu'on avait pris tant de dégâts que ça. Ah voilà, il y a forcément quelque chose ici. Hein. Oh, il est gros lui, dis donc. Ah
Raté. Allez, à nous deux. Prends ça là, prends ça. Ah non. C'est torché avec nous. Ah merde, faut se libérer là, faut se libérer, faut se libérer, vite. Bam. Alors. Ok. Alors on va servir un peu du démon, c'est vrai qu'on s'en sert très peu avec Bayonetta, surtout pour les combos, mais... Voilà, alors, hein? Qu'est-ce que tu dis de ça, mon pote? Allez, voilà, prends les serres de l'oiseau, là, voilà. On l'a arraché, celui-là. Ouais, bon. En termes de stats, pas ouf, mais... En vrai, je trouvais ça pas mal. Plutôt bien. Sans de mauvaise foi, je trouve. Ouais, je trouvais que c'était bien. Bon. Ah, presque 30 000 halo. C'est fou. Ouais, hors vidéo, j'ai acheté dans la boutique le bouquin avec les halos. Je sais pas à quoi ça sert. Ça dit que ça peut pas être ouvert, donc... Donc bien joué. Aucune idée de pourquoi je l'ai acheté, du coup. Mais bon. Je pense qu'on verra plus tard. Alors j'imagine... Ah! Grenouille! Froggy! Miam miam! Où t'es? On l'entend, hein. C'est très faible. Oh, hé. Hey. Je suis sûr qu'elle est là-bas, en plus. Oh là, oh là là. Je suis sûr qu'elle est là-bas, en plus. On nous a menti. Voilà, bon alors. Froggy, miam miam. You're an energetic little thing. Je suis sûr qu'on remonte direct là. Oh là 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 là. Trop fort la grenouille. Tiens la ligne 65, prends ça. Voilà. Oh c'est beau. Oh une méduse. Nouvelle méduse. Unité combat aérien légère, duplicatus. Ah là, oulala. Et hop, elle se reforme. Bah oui, bien sûr. Oh la patate qu'a eu Ami. La patate qu'a eu Ami. Oh, oh j'ai pas vu venir. Là par contre. Là j'avoue que je l'ai pas vu venir, celle-là. Ah il y en a deux. Ah oui, on en est à autant de dégâts. On en est à autant de dégâts. Bon, on va quand même se soigner un peu, hein, je pense. Voilà. Hein. Voilà, hop. Trop drôle ça, par contre. Vraiment fun, ça, pour le coup, je trouve.
Allez, le démon va faire un peu le taf là, je pense. Oh, mais ils volent les saloperies. Oh, les trucs qui volent. Oh là 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 là. C'est quoi ces monstres là? Allez, lâchez-moi, lâchez-moi. Allez, à un moment, oui, ou... Voilà. Allez, prenez ça. Oh, ceux-là, ils sont bien relous, ça. Oh, bordel. Allez, lâchez-moi. Voilà. Bah oui, tant qu'à faire. On va se reformer maintenant. Bah tiens. Comme ça, t'as bien fait, toi. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on a pris, là, dans celui-là? Bon, ces mobs-là, je les aime pas du tout. Ah, c'est sûr, il y a aucun doute là-dessus, je les aime vraiment pas. Oh non, ça va être... les parties récupérées, oh... Oh, les relous. Mais attends, mais comment... Ça va pas, non? Merde, comment je vais les récupérer? Ouais, comme ça? Vraiment? C'est vraiment vrai? On a failli tomber bêtement. Allez, vite. Voilà. Bon, ok, d'accord, ok, en fait c'était facile. Un quart. Ah, un truc qu'on a oublié ici en plus. Parfait, ok. On a récupéré un nouveau quart. Donc là c'était la zone de fight hyper relou. On se disait qu'il y avait peut-être un truc. Pas l'impression. Oh le chat, oh non. Attends, faut trouver le chat là-dedans là. Ça va pas à la tête ou quoi? Y'a rien. On va attraper le chat là-dedans. Vous avez pété un plomb, hein, sans déconner. Bah non, c'est mort. Allez, hop. Ça dégage. Tu peux monter là-haut? Ouais, non, on peut pas. Hein. Ok, bon, ça dégage. Le chat, c'est mort. 3D3, c'est vraiment le pire. Porte de l'enfer. Porte de l'enfer. Gates of Hell. Let's get down to business. Accessoires. Non, pas accessoires.
Trésor, c'est quoi? Magnet de souvenir, Paris. C'est pareil, ça part en achat. En objet. Toujours 20 sucettes, c'est parfait. Ok, on est bon. On est bon. On est plutôt pas mal. Où ça tire là-bas? Oh, il y a la boîte! J'ai failli l'oublier. On va prendre une petite. Hop, voilà quand même une petite sucette. Confection, je voulais voir là. Parce qu'à mon avis, en termes de composants, ouais, en composants, on est chaud. Faut qu'on. Parce que là, du coup, on ne ramasse plus. C'est dommage, c'est gâché. C'est gâché, du coup, c'est dommage. Donc on va fabriquer un peu. Voilà. On va épuiser nos stocks, on va faire ça vite fait. Ça va nous prendre 5 minutes, mais au moins comme ça on est tranquille après. Voilà. Ah, méga sucette, hein, c'est pareil, on s'en fait quelques-unes là. On va se refaire un peu de stock. On a quand même 20, mais... Ça, on aura un peu d'avance. Ça sera cool. Ok, on en a plus. On va épuiser un peu les jaunes. Sucettes jaunes qui peuvent être super utiles, mais qu'on n'utilise jamais. Hein. C'est celles qui nous permettent d'être invulnérables pendant un court laps de temps. Faut qu'on y pense avec Viola, parce que c'est avec elle surtout que ça risque de nous servir. Ok. On va en faire une dernière. Allez hop, voilà. Donc ça nous rend à quoi? On a 3, on a 25 mégas vertes, hein, 3 mégas mauves, 8 mégas rouges et 6 mégas jaunes. Et 3 petites jaunes et 2 petites rouges et 3 petites mauves. C'est pas mal, je trouve, allez, dis donc là. C'est pas mal. Ouais, c'est quoi ça déjà? Ouais, ok. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On peut rien faire ici, hein. On continue d'avancer du coup. Tirez, putain. Si vous vous arrêtez, vous êtes foutus. Oh là, et l'accent par contre très étrange. Très très bizarre l'accent qu'ils avaient là. Donc du coup là ils prennent possession des. Ah ouais c'est chaud. Ouais c'est chaud. Hein. Cette pharmacie là. Pharmacie Antoine, boulangerie Dumas. Sophie Coiffure, Citron Télécom, s'il vous plaît, Citron Télécom. Trop marrant. Regard neuf. Trop marrant, ouais, c'est vrai, je me suis pas arrêté avant, il y avait peut-être des trucs comme ça dans la rue, mais... C'est marrant. Tiens, allez. Y'a rien derrière nous. On dirait un... Oh là là, on dirait un film de zombies, carrément. Aïe! Salopard. Trop drôle. On dirait un film de zombies, presque. Très marrant. On peut pas aller dedans? Bon, ça va aller, allez, les gars. On les a fracassés. Éliminer tous les ennemis dans le tunnel, le sous-marin, souterrain. Ok. Trop marrant. Du coup, ils peuvent être possédés, ces choses, hein, quand même.
Ça, c'est chaud. Oh là là, il y a du monde ici. Je crois pas qu'on ait déjà vu ça, qu'ils possédaient les humains. Après, ils ont possédé Rosa aussi. Oh là! Pardon. Et bah, il y en est à 3 ou un clip de frayeur là? Donc là, on va avancer avec Gomorra en détruisant tout sur notre passage, là. Oh, ça va être bon, ça. Allez, on les balaye. Allez, Gomorra! On leur fait leur fête! Regarde-moi ça! Montre-leur comme on est fort! Voilà! Allez! Oh là 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 là. Le laser, ah c'est nous qui contrôlons. Les hélicoptères. Incroyable. On a tout arraché. Trop drôle ce truc. Oh la vache. Sans pitié quoi. On a pris un coup. On a pris un petit coup de pied. Tellement dommage. Ah, nous voilà. Dans notre belle tenue d'Arlequin. Elle est sympa cette tenue là. Ouais, sympa cette tenue jamais. Hein. Danse. And what was that? On va s'affronter nous-mêmes. Oh, that. A simple bonsoir. Like it really chatty. Oh, dans le chapeau. On va l'affronter, non? C'est bon, elles se comprennent. Ah bah si, on va l'affronter, en fait. I think you have me mistaken for someone else. Mistaken? Our line of work doesn't allow for mistaken shame. Allez hop. Ah non. Prends ça. Nous. Raté. Raté mon esquive. Voilà, on va lui mettre plein la poire. Ah! Du coup, son arme, ça a l'air d'être une espèce de canne ou de sceptre. Trop marrant.
Ah, j'aime bien sa tenue. Wow, le rayon laser. Non mais... Oh, mais sors d'en face d'elle. Voilà. Bon. Tu vas goûter à l'oiseau, toi, ça va être vite fait, là. Ah. Combat de d'oiseaux là. Combat de volatiles. Aïe. Oh c'est moche ça. Mais l'oiseau il m'attaque. Il se rebelle. Il est énervé. Il se rebelle. Je sais pas si ça va le toucher vu qu'il vole. Ah si, ça le touche. Oh oui, ça lui fait. Oh, ça lui fait énormément d'ailleurs plus. Et hop, on l'a vaincu. Oh, il s'est rebellé l'oiseau, eh. Oh, ils nous ont mis dans la forme du canon. Ok, on s'est affronté nous-mêmes. Get down. Non. Oh non, Singularity. Oh, ça va être terrible là. Oh, il y a du monde quand même. Moustique. Perlucidus, module de contrôle parasitaire. Alors ça on l'a vu, module de contrôle. Allez, boss de fin, invocation. Oh la grenouille. La fondue. Good evening, mistress. Is this the new recital stage? Tellement stylé. Baal Zeboul, sirène de pestilence. La grenouille.
tellement classe, une vampire. Oh, un mini-jeu. Petit jeu de rythme. Alors ça, c'est fun. Ok, non, ça, c'est marrant. Oh, j'en ai raté un, je crois. Zut, je me suis désynchronisé. Ok, très marrant ce... Oh, le petit concert là, les bâtons lumineux. Non, vraiment marrant. Ok. Je me suis désynchronisé. Oh là là, je sais plus. Je savais plus. Ça arrive trop vite. Ok, ça arrive trop vite. Fun par contre celui-là, vraiment. Dommage, j'ai pris les dégâts, des fois ça allait un peu vite, mais trop fun ce combat. Et un rouage du chaos encore. May you be reunited with your mommy. Et c'est la fin de Paris. C'est trop classe. C'est vraiment cool ce combat là pour le coup. On a les 5. En plus, Jeanne a trouvé le docteur Sigurd. Ah, c'était vraiment cool. J'ai adoré le dernier là. This is just one outcome, but the possibilities are endless. Ah oui, j'ai adoré ce combat, c'était trop bien. C'était super drôle. L'idée était complètement folle. Ok, donc on a l'espèce de sceptre à la de Khan. Et le démon. On a récupéré Mikankutukil, là, je sais pas quoi, là. Ok, le cœur de Talos a été ajouté aux accessoires. Le cantique de Durga a été ajouté aux accessoires.
Et le miroir B4 pour la tenue. Et le t-shirt chat frappé blanc. Et violet. Très bien. Juste aller voir les accessoires. Qu'est-ce que c'est ? Alors, non. Les accessoires que je veux. Donc on a cœur de Talos. Permet aux démons de l'enfer d'attaquer par eux-mêmes pendant la soumission. Rendant Bayonetta libre de ses mouvements. Mais c'est trop bien ! Du coup, ça fait comme chouchou. Oh, c'est trop bien, ça. Augmente la puissance d'attaque des démons de l'enfer, mais aussi la probabilité de déclencher leur fureur. Ah ouais, ça, c'est un peu chiant. Du coup, je pense que c'était ça, fureur machin, là. Clac, clac, clac. Et du coup, on a un truc qui nous permet d'éviter ça. C'était quoi ? Non, on a un objet pour éviter ça. Empêche les démons de devenir enragés. Ouais, c'est ça. Reine de conquête. Empêche les démons de devenir enragés. Et mais c'est la première fois que ça nous arrive, c'est marrant. Ok. Ouais, en vrai... Cœur de Talos, ça a l'air trop fort. Parce que du coup, ça va faire comme chouchou. Je pense. On va voir. On va voir. Ouais, donc c'est ça que je vous disais. Ancien livre Yusser que j'ai acheté. Je sais pas à quoi il sert. Aucune idée. Aucune idée. Bah, vraiment, j'en sais rien. Ok, bon... On n'est pas trop mal. Donc les amis, on a fini l'univers de Paris. Donc voilà, fin du chapitre. On se reprendra du coup dans le prochain épisode. On commencera par l'intermède et on verra la suite. Moi sur ce, on va se laisser là. Si vous avez apprécié cet épisode, si vous appréciez ce let's play, je vous invite bien sûr, comme d'habitude, déposer un pouce bleu et pourquoi pas un commentaire aussi, hein, juste sous la vidéo. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode est disponible. Moi sur ce, je vous laisse ici, on se retrouve pour la suite dans une prochaine vidéo, et je vous dis ciao.